écouter ceci. Je ne sais pas si c'était lors d'une naissance ou lorsqu'on est allé visiter cela, je n'étais pas là présent. Je pense qu'on visitait une sœur à l'hôpital et elle était en train de donner ce témoignage. Et cette église-là, vraiment, il y a la bénédiction de Dieu. Parce que il y a beaucoup de bébés qui naissent dans cette église. C'est une grâce que d'avoir autant de naissances. Une grâce de pouvoir être témoin d'autant de naissances. Et Gloria d'un côté, Xavier et Shalom de l'autre. Je ne peux pas me risquer de deviner qui est Xavier et qui est Shalom. Et je n'ai pas ce don de discernement. Je ne vais pas encore pour les sénérons, je ne vais pas encore pour les contre-montés, je ne sais jamais qui est lequel. Alléluia. C'est en arrière de chaque enfant, il y a des parents. En arrière de chaque parent, il y a toujours une histoire. Mais je ne peux pas qu'il terrorise mon ami Mathis. Alléluia. C'est toujours un honneur que de voir les familles venir. D'un côté, il y avait la sœur Ariane qui a commencé à venir à l'église. Et puis, après, le frère Jean-Claude est venu. C'est juste un instinct naturel. Je pense que c'est juste un instinct de parent. Quand il y a une fille dans l'église et qu'il y a un garçon qui commence à venir, on est toujours sceptique par instinct. Parce qu'on veut toujours protéger nos filles. C'est toujours avec beaucoup d'hésitation qu'on donne nos filles en mariage. Le frère Jean-Claude a persisté. Et toutes les épreuves qu'on a mises, on a mis la mer rouge devant, il a ouvert. Et finalement, bon, on a eu ce mariage qui s'est né et après Gloria, et on rend grâce à Dieu pour ce mariage. Et la soeur Viviane, comme sont venus de la Côte d'Ivoire, on a déjà deux beaux enfants. Je me rappellerai toujours de la sœur Viviane. Et elle doutait que je ne connaissais pas son nom. Elle pensait que je ne la connaissais pas. Et quand j'ai dit, sœur Viviane, oui, sœur. Le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Et je dois dire que la naissance de jumeaux a été une épreuve. La grossesse même a été une épreuve très dure. Quand les bébés sont nés, on ne savait pas, mais il y avait un problème de santé. Au fait, c'est le lait de maman qui n'était pas à faire. Maman ne savait pas qu'elle ne devait pas allaiter. Et après leur naissance, ils ont été hospitalisés pendant quelques mois, je pense. Et nous avons vraiment vu la main de Dieu. Je me rappelle visiter la sœur Viviane à l'hôpital. Il y avait ces jours où j'arrivais là-bas et elle disait si seulement je pourrais. Non, personne ne va mourir.
personne ne va mourir. Nous allons tous vivre. Nous allons raconter les merveilles. Et très souvent, quand les enfants sont malades, c'est plutôt les parents pour qui on doit prier aujourd'hui. Parce que des fois, les enfants, ils le prennent très bien. Mais c'est les parents qui traversent cela très difficile. Après, Shalom est sorti. C'est Shalom qui était sorti. Shavi est resté à l'hôpital. Et je ne sais pas comment elle a dû traverser cela. Je sais, peut-être, je sais, mais je n'arrive pas à le réaliser. Je sais que c'est le Seigneur. Mais je ne peux pas m'imaginer le déchirement d'une mère que de laisser un de ses bébés à l'hôpital. Et d'aller avec un bébé à la maison. Mais son lien n'est pas trop. Mais nous sommes là en train de faire. Le Seigneur a changé nos larmes en réjouissance. Ils vont grandir et ils vont servir le Seigneur. Moi, il y a un témoignage de la grandeur, de la puissance. J'avais vu une telle chose. En fait, il disait pour libérer Charlie de l'hôpital. En fait, les deux ont passé par là. Il fallait qu'il soit à jeûne 6 heures. Et si son corps tient, alors là, ça va. Et savez-vous que ces enfants ont commencé, je n'ai jamais vu des gens qui commencent à jeûner si peu. Ils ont commencé à jeûner très jeune. Ils ont fait leur jeûne. Ils sont sortis. Les jeunes ont brisé les liens de l'hôpital. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et aujourd'hui, c'est un autre jour. Un jour de réjouissance. Et comme Anne l'a fait dans l'Ancien Testament. Alors qu'elle est allée apporter Samuel pour le présenter en dédicace à 1 Samuel 1, 24 à 28. Et comme Marie l'a fait, alors qu'elle a amené le Seigneur Jésus pour être présenté en dédicace au temple, dans Luc 2, à partir de 25 jusqu'à 40. Aujourd'hui, Eliane et Ariane sont venus présenter leurs enfants en dédicace au Seigneur. Vous allez constater que ces enfants, nous n'allons pas les baptiser, mais nous allons plutôt les présenter en dédicace au Seigneur. Il y a deux raisons majeures pour cela, et les raisons sont ceci. Premièrement, ça prend la croyance pour le baptême. Or, peu importe comment nous pouvons prêcher, ces enfants ne peuvent pas croire. Ils sont trop jeunes pour croire. La deuxième des choses, c'est que ça prend la repentance. Peu importe comment nous pouvons prêcher aujourd'hui, ces trois enfants ne peuvent pas se repentir. Mais néanmoins, à moins que nous pouvons les présenter en dédicace. Et je crois que le désir qui motive vraiment cette présence peut être lu dans Proverbe 22:6. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Deutéronome 6:4 dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul État. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants, tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. C'est un devoir et une responsabilité qui incombe aux parents que d'inculquer le voie du Seigneur dans les enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des photos entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous savez, le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Dans ce que nous appelons communément le commandement le plus important de la parole de Dieu, Dieu a tenu à citer ou à mentionner les enfants dans la vie. Ça, c'est le plus grand commandement pour Israël. C'est le plus grand commandement selon le Seigneur Jésus. Et dans ce commandement, Dieu dit, il ne faut pas oublier de partager cela avec nos enfants. C'est un jour significatif, c'est un jour important. Et nous sommes réunis ici plusieurs familles, comme Marie et Anne ont fait pour présenter Shalom, Shalvi et Gloria en dédicace au Seigneur. Et je crois que ces deux familles ont répondu à l'invitation du Maître quand il dit dans Matthieu 19, 14, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas car le temps a de tel et le royaume des cieux. Et c'est approprié de votre part que d'amener vos enfants alors que le sort de leur naissance est encore entre vos mains. Et nous sommes ensemble émerveillés, je ne sais pas pour vous, c'est toujours un émerveillement que d'observer ces enfants, ces êtres fragiles, aujourd'hui sont portés dans les mains. D'ici un an, deux ans, ils vont commencer à courir avec les autres dans la maison du Seigneur. Et 10 ans, 15 ans, ils vont commencer à jouer à un instrument ou à servir le Seigneur dans une capacité quelconque. À 20 ans, 25 ans, ils vont commencer à amener une fille ou un garçon à la maison, disant que bon, voilà, je veux me marier. Et après, ils vont avoir leurs propres enfants eux-mêmes. Et vous, vous allez être des grands-parents. Mais tout le potentiel se trouve dans ces petits pays. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinaire? Le but de ce service, c'est de vous aider en tant que parents à apprécier vos obligations, parce que ce sont des obligations qui doivent être appréciées. D'élever vos enfants dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur, afin que lorsqu'ils vont atteindre l'âge de la compréhension et qu'ils auront acquis la maturité, la responsabilité, qu'ils se détournent naturellement du mal et qu'ils se tournent vers le bien et qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et leur maître. Maintenant, Dieu a un plan pour ses enfants. Amen. De trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès pour vous. Et de le refuser, de l'ignorer, va conduire à l'échec. Et cela, peu importe les accumulations des biens matériels, les acclamations mondaines, les réussites mondaines qui seront accomplies ou reçues. C'est votre privilège et votre responsabilité que de guider ces enfants de manière à ce que la volonté de Dieu soit leur plus grande ambition dans la vie. Maintenant, je vais demander aux deux familles, allez-vous vous engager à élever ces enfants selon le poids de l'Éternel? Alléluia. Alors, c'est un privilège pour nous que de les présenter en dédicace au Seigneur. Nous allons prier et Alléluia. Mais qui ils sont? Alléluia. Le Seigneur est bon. Si la congrégation peut se lever, il y a quelqu'un qui veut aller manger. Donc si on peut se lever rapidement, on va prier rapidement. Amen.
Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions encore une fois pour le privilège que nous avons de nous tenir devant toi, papa, et de tenir, papa, des vies fragiles dans nos bras, Seigneur. Papa, nous réalisons encore une fois la grandeur du mystère de la vie, Seigneur. Papa, le potentiel, papa, il va chacun renfermer dans ce corps fragile. Papa, qui va se développer devant toi, Seigneur. Papa, ce développement, nous venons, papa, le remettre entre tes saints bras. Nous venons, papa, par le bras de la foi, tout d'abord, prier pour les familles qui sont représentées ici, Seigneur. Papa, que tu nous aides tous ensemble, les amis, les témoins, les voisins qui sont ici présents. Aide-nous à consacrer nos vies, Seigneur. Papa, amener nos vies de sorte que nous soyons exemple pour Charlie, Shalom et Gloria, Seigneur. Papa, que nos maisons soient, papa, gardées de sorte que, papa, ce sont des chants de louanges et des cantiques à ton nom qu'on y entend. Que la prière fasse le quotidien de nos demeures, Seigneur. Afin que ce soit le cadre, papa, dans lequel ces enfants vont grandir dans ta grâce, ô Éternel. Père, alors qu'ils sont encore trop jeunes pour comprendre les choses spirituelles, nous venons par le bras de la foi, papa, le remettre devant ton trône de gloire. Nous prions, Seigneur, que tu étends ta main vers chacun d'eux, Seigneur. Gloria, Shalom, Shalom, Seigneur. Papa, signe leur élange, papa, pour veiller sur leur sortie et leur retour, Seigneur. Protège-les de toute embûche, de toute maladie, papa, de toute infection, de tout accident, Seigneur. Protège-les, papa, de toute fréquentation, papa, de méchants, Seigneur, de ce monde, papa. Garde-les, Seigneur, ils sont encore trop jeunes pour comprendre les choses spirituelles, papa, et la bachade. Mais néanmoins, nous prions qu'ils puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Et lorsqu'ils vont arriver à l'âge de la compréhension, papa, notre prière, c'est qu'ils puissent entendre l'évangile, qu'ils croient se repentir de leurs péchés, papa. Se faire baptiser en ton nom, Seigneur, recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Se faire baptiser en ton nom précieux, papa, et vivre pour te servir, Seigneur. Jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce qu'ils aillent là encore, papa. Papa, nous te remercions encore une fois pour ta bénédiction et tout ce que tu as fait, Seigneur, jusqu'à présent. Le privilège que nous avons de les tenir dans nos bras, Seigneur. Papa, encore une fois, nous prions, Père, que tu les bénisses et que tu les couvres de ton sang précieux, Seigneur. Bénis-nous tous ensemble, nous te prions pour le restant de ce service et le restant de la journée, papa. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia, battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous servons un Dieu fidèle. Amen. Alléluia. On va à on peut faire rapidement les photos parce que nous sommes pressés par Madame Gloria. Madame Gloria, ne blague pas. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Les enfants peuvent.